Salut l'équipage, marin de comptoir, marin de ponton, marin notoire et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée. C'est le barde qui vous tient compagnie pendant presque une heure avec une première partie consacrée aux histoires et traditions populaires des gens des métiers de l'eau douce et une deuxième partie consacré cette fois-ci aux gens des métiers de la mer, principalement à la piraterie. Et en fin d'émission, deux conseils de lecture et tout ceci entrecoupé de chansons évoquant les deux marines. Au commencement était la parole, autrement dit l'onde. Et l'onde, c'est l'eau. Donc, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie, et tout ce qui est nommé aussi. Si tu me dis que tu es au bord du gouffre et que tu vas bientôt toucher le fond parce que t'as pas fait gaffe quand ta morue t'a mis le grappin dessus, je te dirai que tu as utilisé 6 termes provenant du vocabulaire maritime dans une seule phrase. Bien que l'origine de bord soit contestée, il semble que bord est une racine très ancienne qui s'est répandue dans l'ensemble des langues indo-européennes. C'est vers 1121 que bord signifie côté d'un navire et plus précisément la planche supérieure du bordé d'une coque. Comme la pièce de bois qui servait de gouvernail se trouvait généralement sur le bord droit du navire, les navigateurs vikings ont donné le nom de steerboard, bord du gouvernail, à ce qui est notre tribord actuel et celui de backboard, bord auquel le timonier tournait le dos à notre bâbord. Traditionnellement, alors que tribord est le côté noble, celui des gradés qui embarquent actuellement encore sur ce bord, bâbord est celui de l'équipage, le côté de fatigue, par lequel embarquent les subalternes et accostent les chaloupes chargées de marchandises, de vivres ou de munitions. Cette tradition provient peut-être du fait que bâbord se trouve à gauche et tribord à droite du navire. L'attribution d'aspects bénéfiques à la droite et maléfiques à la gauche, encore vivante dans notre culture, s'exprime au sein de cette opposition. Dans la marine, on ne dit jamais « bâbord et tribord », mais bien « tribord et bâbord ». Bord signifie aussi, par métonymie, navire, bâtiment, monter à bord, être à bord. Nombre d'expressions du français contemporain reprennent ce terme dans un sens souvent proche de ce sens. Avoir les moyens du bord, tenir son journal de bord, tableau de bord, être du même bord. Gouffre, comme golf, vient du grec kolpos, c'est-à-dire pli, creux. Golf, repli de la côte, quelquefois vallée. Le terme a sans doute été directement apporté par les Grecs dans leur colonie phocéenne. À l'origine, le français ne faisait pas de différence entre golf et gouffre. Au sens propre, gouffre signifie trou profond et large qui s'ouvre à la surface du sol, mais aussi cavité souterraine creusée par les eaux dans les régions calcaires, ou bien encore vaste tourbillon qui se produit dans la mer ou l'océan, provoqué par la rencontre de deux courants contraires. Au figuré, il a adopté le sens de chose, opération, où s'engloutissent les biens, les richesses, la vie, etc. Fond vient du latin fundus, qui signifie creux. Fond date de 1100 environ, c'est un terme très utilisé dans le langage courant, ses usages marins sont importants et très anciens. Certains d'entre eux ont donné naissance à quelques expressions figurées, toutes basées sur l'usage de fond,
sol qui est au-dessous de l'eau. La première attestation marine du terme, en 1176, se référait en fait à l'expression « sans fond ni rive » qui a donné la vieille expression « affaire sans fond ni rive », c'est-à-dire « affaire, question compliquée, confuse ». Toucher le fond se dit du fait de parvenir à la surface solide lorsque l'on sonde. Par extension, l'expression signifie « être au plus bas », d'où peut-être « être au fond », qui a le même sens. Gaff vient de l'ancien provençal gaff, c'est-à-dire crochet, perche, attesté au XIVe siècle, dérivé de gaffard, c'est-à-dire saisir, lui-même du gothique gaffon. Le breton goaf, c'est-à-dire gaff ou lance, est sans doute de la même famille que gaff. Gaff désigne un instrument comprenant un manche au bout duquel se trouve un croc qui sert à attraper un objet ou un poisson quelconque, à récupérer un homme à la mer ou à déborder un navire d'un quai, d'un ponton ou d'un autre navire. Fais gaffe signifiait à l'origine, très logiquement, se tenir à distance d'un danger grâce à une gaffe. Par extension, il a pris le sens de faire attention. Morue vient du gallois mor, c'est-à-dire mer, et peut-être de l'ancien français luse, c'est-à-dire brochet. Le terme est attesté en français depuis 1260. Il se dit en italien merluzzo et en acastillan merluza. Il s'agit du bacalhau portugais. Morue est attesté en français dès 1260 au sens de grand poisson de mer du genre gade, vivant dans les eaux froides. En France, morue s'applique aux poissons salés et séchés, tandis que l'appellation cabillaud est réservée aux poissons frais ou congelés. Morue s'accompagne de différents qualificatifs selon la façon dont elle a été traitée, franche, sèche, blanche, noire ou verte. Morue est un terme utilisé par les femmes des Halles pour répondre aux râleuses qui offrent un prix dérisoire pour leurs marchandises. Plus tard, vers 1849, fille facile ou prostituée. Morue d'eau douce se dit d'une prostituée de bas étage, alors que morue de salé se dit d'une vieille prostituée. En français, on le constate, l'animalisation constitue une figure péjorative très généralement sexiste. C'est ainsi qu'actuellement, morue est employée pour désigner n'importe quelle personne de la gente féminine. Grappin dérive du germanique crapa, c'est-à-dire crochet. Crabe et grappin sont des termes connexes par leur origine et leur sens. En cornique et en gallois crap, prise, étreinte, il est donc probable qu'il s'agisse d'une origine indo-européenne commune, grip, saisir, qui a donné entre autres l'anglais grasp. Grappin désigne d'abord, en 1382, une petite ancre, et à partir de 1466, prend également le sens de crochet d'abordage. Il est passé par la suite dans d'autres domaines, mais généralement avec l'acception de crochet à plusieurs bras, tel l'hameçon grappin. L'expression « jeter ou mettre le grappin sur quelqu'un ou quelque chose » signifie s'en emparer, l'accaparer physiquement ou mentalement. Voilà comme quoi le vocabulaire maritime est en usage perpétuel et constant dans la langue française et dans le langage courant. Ainsi s'achève une histoire de l'histoire des mots marins suite au prochain embarquement.